l'adoration. Et vous savez, nous vivons le temps le plus difficile que le monde n'ait jamais connu. Toutes les difficultés de la vie se sont multipliées. La vie est devenue très chère. Le combat de tous les jours se sont renforcés. L'attaque de Satan s'est renforcée. Et la main de Dieu a diminué dans la vraie Église. Pour que Satan puisse bien travailler, il faut que Dieu recule. Donc, Dieu disparaît sur un terrain d'entraide. Pour que Satan puisse bien limer l'Église. À l'image de quand le peuple d'Israël devait sortir de l'Égypte, leur boulot était devenu plus compliqué que quand cette époque n'était pas encore arrivée. Et Dieu laissait faire Pharaon. Donc, quand on vient à l'église avec cette pression qu'on a traversée toute la semaine, les difficultés les plus difficiles qu'on traverse, c'est l'adoration qui nous apaise. Mais on ne peut plus adorer comme avant. Avant, tu viens à ta propre voix, tu chantes, ça va. Mais tellement que les démons ont renforcé leur attaque, il faut que l'adoration aussi se renforce. C'est pour cela actuellement, on ne peut pas adorer sans les instruments. Parce que les instruments apaisent. C'est pour ça qu'Abraham est venu, il a voulu le temps de silence avec l'instrumental derrière. Tout ça fait participer. Tout cela participe à l'adoration. Donc, si tu n'es pas apaisé, comment tu vas adorer? Si tu es triplé partout, que quand tu es assis là, les douleurs là sont encore là, comment tu peux adorer? Or, c'est les instruments. Ce n'est pas maintenant que ça a commencé, c'est depuis la Bible. Quand les démons sont relâchés sur Saül, c'est ça Saül, Saül le roi là, le premier roi. Saül, c'était David qui partait jouer la musique pour qu'il soit apaisé. Son attaque était sur un peu trop. C'était la musique. Sans parole, il jouait sa mélodie. Et ça calmait Saül. Donc tellement que Satan est relâché sur nous, quand on vient à l'église, il faut la mélodie pour nous apaiser. Donc quand Abraham a mis ça dans l'église, il a été bien loin pour le faire. Donc on ne peut pas venir à l'église et puis on adore une voix sec, sans instrumental. C'est une adoration que Satan va pouvoir s'asseoir dans la chair des gens jusqu'à ils vont repartir à lui. Peut-être que c'est la prédication qui va libérer les gens après. Or, vous devez être libéré dans l'adoration. Quand la prédication vient, vous avez besoin d'être libéré. C'est pour recevoir, pour partir. Donc, c'est pour cela qu'on a fait venir notre frère parce qu'à terminer, il est très occupé de ses démarches. Donc, les frères, le chantre Agaparo, et puis le frère David, vous devez vous sacrifier pour que si la puce est même à eux, puissiez maîtriser un peu. Agaparo va s'adapter au nouveau rythme du piano et du pianisme, et le pianiste aussi va essayer de copier le pianisme qui, à partir du moment prochain, il puisse se débrouiller un peu plus. C'est un point que si vous, Dieu ne veut pas l'adoration sans piano. Parce que la semaine passée, j'ai eu un songe où, dans le songe, le frère Amel, vous savez qu'il est le deuxième pianiste, mais il est tellement irrégulier que
C'est comme si on t'a banni comme le deuxième pianiste. Et c'est comme si le frère Amel était venu à l'église. Et je me suis dit j'ai dit dans le songe que quand le pianiste est parti, alors tu as fait venir le frère Amel en même temps pour prendre le relais. C'est comme ça que je suis réveillé. Et j'ai mis mon esprit sur le frère Amel. J'ai dit à la soeur même de rêver, voyez, le frère Amel est venu dimanche. Mais quand je suis venu à l'église dimanche, j'ai été poussé comme ça à laisser le frère essayer avec le piano. Car le frère Amel n'était pas effectivement là. Donc c'est dans la semaine que je cherchais à comprendre le songe. Et c'est là que j'ai compris que le frère Amel qui l'a montré, c'était le frère David. Au moment où le frère doit partir, c'est là que David maintenant vient s'installer. Donc c'est comme si un relais pour qu'il n'y ait pas de vide dans l'instrumental, dans l'adoration. Mais si nous on néglige ça, hein, que Dieu ne veut pas une adoration à voix sec. L'instrumental est très important pour débarrasser les démons sans parole, pour apaiser les souffrances sans parole. Mais si on éradique ça, on va compter souvent sur la prédication. Venir faire tout ça là. Donc, faites un effort, vous trois, mettez de l'eau dans vos fins, dans vos activités. Et c'est que vous êtes occupés. Vous deux, vous êtes très occupés. Mais le pianiste qui est venu, il est très libre. Donc, c'est à vous de mettre de l'eau dans vos activités pour que vous soyez disponibles à vous entraîner avec lui. Pour que d'ici dimanche prochain, s'il n'est pas avec nous, on puisse avoir une adoration complétée, complète. Amen. Donc que Dieu bénisse. Ah, cette semaine, on a notre sœur, notre précieuse sœur, la sœur Élie qui a accouché. Elle a fait une fille. Donc ça fait deux filles pour le frère Élie et pour la sœur Élie. Amen. Donc, depuis minuit par là, et environ une heure, il nous a appelé que la sœur est en travail. Donc je suis parti chercher le frère David pour qu'on puisse aller prendre la sœur sur moto pour aller à l'hôpital. Et c'est comme ça que j'ai essayé de jouer tous les frères la nuit avec le portable des frères des dizaines de fois. Vous êtes réveillés, vous avez vu les appels. C'est pas mon portable qui a appelé, mais c'était moi qui appelais. Et ça n'a pas eu d'écho. C'est le frère Akapao qui était encore dans son lieu de travail et c'est lui qui est venu. Donc c'est comme ça que ils sont partis à l'hôpital depuis 1h du matin. Arrivé là-bas, les sages-femmes disent que c'est encore loin. Et comme on est déjà venu, ils vont suivre ça jusqu'à matin. Donc on est resté là-bas jusqu'au matin. Et matin maintenant, on est parti voir le révérend et son épouse pour aller prendre le relais parce que la soeur était encore là-bas, elle n'a pas encore bougé. Et c'est là la soeur Joël aussi, et puis la soeur Akapao. Ils ont commencé aussi à défiler à l'hôpital. Et jusqu'à j'appelle le frère David, il est un peu comme mon secrétaire. De voir un peu ce qui se passe à l'hôpital. Et quand il appelle, on dit elle est à deux doigts et qu'il faut cinq. Et dit ok, il n'y a pas de problème, on est là encore. On est là jusqu'à 13h par là, il lui demande encore. Il dit que c'est toujours deux doigts. Quand il faut cinq. Ah, je lui ai dit, à cette année-là, c'est comme s'il y a un blocage spirituel. Parce que la soeur se connaît son organisme. Et puis, c'est que
Elle nous a dit avant de quitter la maison, c'est que l'accouchement n'est pas loin. Mais pourquoi arriver là-bas? C'est comme si c'était loin encore. Donc j'ai dit au frère David, si d'ici 16 heures, parce que j'ai demandé à ce qu'on les laisse venir, il a dit non, que les docteurs disent qu'il ne faut pas les laisser rentrer. La laisser rentrer. J'ai dit au frère David, si 16 heures arrivent, que c'est toujours deux doigts, que ça n'a pas évolué, la situation n'a pas évolué, à 16 heures, là, je vais partir pour faire sortir la soeur, pour venir à la maison. Et c'est comme ça, elle accouche à quelle heure? 14h. À 14h, il était déjà, elle a accouché. C'est le révérend qui m'a appelé pour dire qu'elle a accouché. Donc on acclame le Seigneur. Et qu'on voyait loin, Dieu a accouché ça rapidement. Et par les prières de tous les frères et sœurs qui étaient au courant et qui priaient de part et d'autre pour que Dieu mette sa main dessus. Elle a accouché normalement à voix basse, tout tranquille, et elle est à la maison entièrement. Amen. Ça, vous devez voir que Dieu travaille avec les sons dans l'église. Hein? Quand on était là-bas à 1h du matin pour faire sortir la soeur pour aller à l'hôpital, il y a le frère lui-même qui disait que la soeur Agapao avait dit qu'elle allait accoucher et puis lui était en voyage. Elle allait accoucher derrière lui. Et il a dit, ah, tu vois, ça a failli arriver parce que il venait à peine d'arriver du voyage à minuit là. Et il a voulu dormir là-bas. Et quand je l'ai appelé, il dit, les coups sont trop, donc peut-être va dormir là-bas. Et c'est dans ça, je ne sais pas dans quel coup. Il a pris car la nuit là, rapidement il est venu. Mais il arrive à minuit, sa femme dit depuis toute la journée, même hier, son ventre a commencé. Donc quand il m'expliquait, ça dit, ah, donc tu vois le son de la soeur, a failli arriver. Elle allait accoucher parce que tu dormais là-bas, on s'en va à l'hôpital actuellement. Elle a accouché derrière toi. Donc c'est comme ça, on a laissé la faire. Nous sommes partis à l'hôpital, on dit que c'est pas encore arrivé. Quand matin on est venu, matin, il voit que sa poche est vide. Parce que ce qui est dans sa main n'est pas fait accouchement. Actuellement, dans la vie où on parle là, ce n'est plus à notre temps. À notre temps, à nos premiers enfants, des enfants, nos deux premiers, à 6 000, on a tout fait. À 6 000, on a tout fait. Puis on est à la maison. Mais aujourd'hui là, il ne faut même pas rêver. Donc il avait une somme de 10 000 sur lui, 12 000. Ah, mais lui-même, vers 4h du matin, il voit qu'il doit repartir encore à Abidjan en voyage pour aller chercher l'argent encore. Et c'est comme ça qu'il nous a laissé à 5h, il a remis 10 000, les 10 000, parce que les 2 000 finalement pour faire le transport. C'est comme ça qu'il est parti, il nous a laissé là. Et quand le frère David me formait, n'accouche pas de tout, n'accouche pas de tout. Oh, le frère aussi, il a fini ses courses, il arrive. Il dit, mais le son de la soeur, ça va s'accomplir ou ça ne va pas s'accomplir? Donc, vous voyez pourquoi Dieu donne les révélations. Quand j'ai placé 16 heures, quand j'ai vu le lieu dans lequel son mari est, et c'est qu'on était à l'hôpital, et le son qui est dans ma tête, qui la soeur a fait dans ma tête, je dis, mais elle doit accoucher avant son arrivée. Dieu l'a fait tout pour que le son de la soeur me concrétise. C'est ça qui me faisait dire, si 16 heures arrivent, je n'accouche pas le temps pour venir à la maison. Tu vois, et c'est dans ça, à 14 heures, qu'elle déjà, elle a accouché. Amen, amen, amen. Et elle a, c'est comme si le rêve s'est concrétisé réellement. Elle a accouché pendant que le frère était en voyage. Amen. Donc c'est ça un peu. Nous comprenons le nom du Seigneur. Ça veut dire qu'il suit les choses de près. On traverse les moments difficiles. Quand la soeur était là-bas pendant tout ce temps, elle se disait, mais où es-tu? Or, Dieu a déjà prédit la manière dont ça va se faire.
et tu étais dans tout. Amen. Donc, quand on est revenu pour la parole, donc on va lire Exode chapitre 4, les versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon. Et moi j'endurcirai son cœur. Et il ne laissera point aller mon peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils. Ton premier né. Bali Mac, chapitre 8, le verset 21 à 25. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand la veuve regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Amen. On va lire Jean chapitre 1, verset 23, 20 à 23. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Jésus, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ses disciples ne mouraient point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point. Mais, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Amen. On va chanter ce chant. Vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donne du repos. Vous qui êtes chargé, fatigué, venez à moi. Je vous donne du repos. Je vous donnerai vie et repos.
charge fatigue et venez ta main. Je vous donnerai du repos. Et charge fatigue et venez ta main. Je vous donnerai du repos. Et chargé, fatigué, venez ta main. Je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez ta main. Je vous donnerai du repos. Et chargé, fatigué, venez ta main. Je vous donnerai Dieu le temps. Venez, venez, venez à moi. Je vous donnerai Dieu le temps. Et chargé, fatigué, venez ta main. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en cette semaine que tu as agi dans la vie de ton Église, tu as mis ta main puissante de part et d'autre. Maintenant, Seigneur, que nous sommes dans un moment de culte d'adoration, nous savons que tu es présent depuis le début, nous te confions tout ce que nous venons de lire, mets ta main dessus, et nous voulons que tu ajoutes tous les ingrédients nécessaires à la nourriture, pour que ça soit agréable pour l'âme de chacun de nous. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ça soit. Amen. C'est des choses en sens. Oh, il y a le frère David qui a fait un son chez nous. Il dit qu'il partait me voir à la maison et arrivé là-bas, il a trouvé des chats derrière les machines et il a demandé à mes chats où j'étais. Et mes chats lui a dit que je suis parti à la convention, en voyage. À la convention à Korogo. Et c'est comme ça qu'il s'est réveillé. C'est tout, hein? Il n'y a pas d'autres détails. Amen. Donc vous voyez un peu, ce voyage-là, ça typifie quoi? Si c'est un voyage naturel, je ne pense pas que ce soit un voyage naturel. Alors si c'est monté bas de la terre que Dieu a typifié à un voyage, il y a deux symboles dedans. Il y a que je suis parti à Korogo. Et nous savons ici en Côte d'Ivoire, Korogo, c'est au nord de notre pays. Donc ça veut dire que je suis parti au nord. Et deuxièmement, c'était dans une convention, j'étais parti. Amen. Et donc, ça veut dire si ça explique mon départ de la terre, ça explique que je vais au nord. Or, là-bas au ciel, les fils de Dieu sont au nord. Amen. Donc, je ne vais pas dans n'importe quel endroit. Je vais là où les fils de Dieu sont au nord, dans le ciel. Et c'est un moment de convention. Ça veut dire un rassemblement de joie, de fierté de tous les fils de Dieu. Donc peut-être que ça signifie que le jour de mon départ, peut-être vous serez triste ici, mais ça va créer peut-être une convention là-bas. Ça sera peut-être une joie au ciel. Amen.
Maintenant, si ça veut typifier l'enlèvement, amen, pour montrer que c'est une convention où tous les fils de Dieu se trouvent, là, pourquoi Michak et puis tu as trouvé mon épouse aussi, ils étaient à la maison. Alors, je ne crois pas à un enlèvement moitié-moitié. Si je pars, je pars avec tout ce qui me concerne. Amen. Tout ce que tu as aimé et qui t'ont aimé. Amen. Donc c'est un lien d'amour qui nous unit entièrement. Et Dieu ne peut pas faire un travail inachevé. Comme il a fait au temps de Noé. Où il a enlevé Noé aussi. Peut-être que Noé avait des enfants. Il dit peut-être personne n'a pas connu sa généalogie, hein? Hein, les lecteurs de la Bible, les grands docteurs. Amen. Sinon, à ma connaissance, on ne connaît pas sa généalogie. Donc, Dieu l'a enlevé lui seul. Et lui aussi, il était un célibataire. Un célibataire concentré. Un célibataire dur. Ah, tu ne peux même pas le faire quitter dans le célibat. Même Dieu ne peut pas le délivrer du célibat. Est-ce que Dieu pourrait délivrer l'apôtre Paul du célibat? Amen. Donc, Élie était un célibat concentré. Donc quand Dieu l'a enlevé, il n'avait pas de traces sur la tête pour continuer quelque chose, de s'aligner après lui. Bon, on croit qu'avec nous ici, on ne nous est pas fait comme Jésus, qui était Jésus seul, et nous est fait comme Branham. Oui, Branham a une famille, il a une épouse, des enfants. Alors Dieu ne peut pas faire pour nous là comme il a fait pour Élie. C'est pour ça que nous sera de façon parfaite. Parce que c'est une équipe qui monte. Ce n'est pas un individu qui monte. Amen. Alors la parole de Dieu dit, il y a un Élie, Moïse qui partait libérer son peuple. Mais quand il partait libérer, Dieu a déjà montré ce qui va se passer. La guerre qui va se mener déjà, Moïse, il était encore dans sa belle famille là-bas, chez les Madianites. Il était là-bas encore. Dieu lui a déjà montré d'avance ce qui va arriver. Amen. Ça veut dire que Dieu ne peut pas nous laisser aveugles. Hein? Amen. Quand il a montré que Branham était le précurseur de sa seconde venue, à la veille des choses, il a montré à Branham ce qui va se passer. Avant que ça va se concrétiser, Branham était au courant que quelque chose veut se faire. Dites amen. Mais actuellement, nous vivons à l'ombre de quelque chose. À l'ombre de l'enlèvement. Dieu ne peut pas se lever un beau matin, s'il prend son église, pour les enlever comme un voleur, comme il a dit. Il va nous avertir. Dites amen. Il va nous montrer que quelque chose veut arriver. Apprêtez-vous, c'est le moment qui est déjà arrivé. Ça seulement Dieu va le faire. Le combat de Moïse était encore à la maison. C'est bien étant en train d'attacher ses bagages avec sa femme et ses enfants. Comment ils vont mettre sur les ânes et puis ils vont partir en Égypte. Dieu l'a déjà montré ce qui va se passer. Amen. Il a dit, j'ai mis beaucoup d'âmes dans ta main. Yes, sir. Tu t'en vas beaucoup d'âmes dans ta main. Amen. Tu t'en vas affronter Pharaon avec. Amen. 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 Parce que Dieu met beaucoup d'âmes dans notre main. Pour affronter cette vie-là. On n'est pas venu prier. On n'est pas venu et puis il n'y a rien dans notre main.
On est venu avec des facultés. On est venu avec des dons. On est venu avec des capacités. Que nous sommes venus avec. Que c'est ça qui va faire contre ton pharaon. Amen. Amen. Même pour être sur ce terrain, il faut comme l'aveugle que Jésus avait guéri. Le monsieur ne voyait pas clair. Il était aveugle. Et Jésus l'a pris pour sortir du village. Jésus crache à terre. Il prend la boue qu'il a fait, ça s'arrive. Il met sur ses yeux. Il impose les mains. Il demande à l'aveugle si tu vois un peu. Tu vois quelque chose. L'aveugle dit que je vois des hommes. Mais ils sont comme des arbres qui marchent. Amen. Amen. Ça, c'est la première vue que tu as donné à son église. Amen. C'est la meilleure vue que tu as donné à son église. Dis amen. Mais nous, ça ne nous arrange pas. Oh, pourtant, c'est ce que Dieu nous a donné. Quand il avait cette vue-là, il voyait la chose comme Dieu voyait. Il ne voyait pas les hommes comme l'homme voit l'homme. Il voyait l'homme comme Dieu voit l'homme. L'homme était devenu un arbre devant lui, comme Dieu voit l'homme comme un arbre. Vitamine, avec cette première vue que Dieu lui avait donnée, il fait que la distinction entre ceux qui sont du mal et puis ceux qui sont du bien. Tu peux dire ta main. Parce que quand tu vois un arbre là, celui qui porte la vue, c'est que c'est un manquier. Dis ta main. Donc la première vue qu'il avait vue, il pouvait reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, c'est l'arbre de vie, que c'est lui qu'on va manger. Il pouvait voir les disciples, les pharaons, les pharisiens, il pouvait savoir que cela c'est l'arbre du bien du mal. Le fruit est mélangé. Il avait la réelle vue. Dis ta main. Une vue que Dieu veut que chacun de nous doit avoir. Mais nous, on veut avoir une autre vie. Une vue plus claire. Amen. Dis amen. Dieu ne peut pas te parler quand tu vois trop clair. Dieu ne peut pas te parler quand tes yeux sont trop ouverts. Voilà pourquoi quand Dieu veut parler, il veut que tu n'as qu'à dormir. Faut fermer tes yeux là. Tes yeux que tu comptes dessus. Faut fermer ça. Quand tu es là dormi, et là maintenant tu es bien. Et puis il te montre ce que lui veut. Mais quand tu as les yeux ouverts, tu ne peux pas voir la volonté de Dieu. C'est ta main. Quand tu dors la nuit, Dieu te montre ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver après demain. Mais quand tu vois clair, tu ne peux plus voir ce qui va arriver demain. Amen. Dis ta main. Il faut mieux avoir une vision floue dans ce monde et que Dieu ouvre tes yeux spirituellement, que tu vois clair comme tout le monde. Mais tu as aveugle spirituellement, comme les pharisiens. Quand la connaissance à ce temps de la fin est descendue, les gens voient trop clair. Dis ta main. Une femme trop intellectuelle, elle voit trop clair, elle est impolie. Elle a trop de connaissances. Elle a trop parti à l'école. Elle a trop de diplômes. Elle travaille dans un endroit où c'est le boss qui vient là-bas. Elle se croit trop hiérée, trop intelligente. Quand elle vient à la maison, elle ne peut pas laisser son mari dominer. Il vaut mieux une femme qui ne connaît rien, qui ne sait même pas faire son ABC, qui ne sait pas écrire son nom. Et puis elle est à la maison. Elle est soumise comme une femme intellectuelle. Et puis bête dans la tête. Une femme impolie, il y a quelqu'un qui ne va pas. Comment tu peux être impolie? Qui t'a envoyé ici à Tiasalé? C'est toi-même qui es venu? C'est toi qui t'a envoyé? Dis ta main. Quelqu'un te pose sur ses épaules. Il faut la toi et puis il vient de te poser. Et puis c'est lui qui l'a de ta part. Et puis tu descends les gens qui sont au dehors. Que personne ne va pas. Est-ce que c'est à cause des gens qui sont au dehors qui est ici? Tu as tombé dans ton endroit pour que tu sois ici. C'est lui qui a attrapé ta main. Il t'a envoyé ici à Tiasalé. C'est à lui que tu as des divas.
voit trop clair. L'église voit trop clair. L'église est trop intelligent. L'église a toutes les citations. Par tout ce que Bonham a dit. Donc ce que tu dis aujourd'hui, ils ne peuvent plus voir. Ils sont devenus des sensés. Tu t'amènes, ils ne voient plus clair. Même quand la chose est devant eux, ils ne peuvent plus voir. Faut fermer tes yeux intellectuels. Faut fermer tes yeux de connaissance. Faut fermer tes yeux que tu dis que moi je connais là. Faut fermer ça. Dieu va t'aider. Quand Moïse partait libérer le peuple, quand il partait libérer le peuple, Dieu lui a montré ce qui va arriver. C'est-à-dire qu'avant qu'il va arriver là-bas, il savait que la mouche là, ça va pas le faire libérer. Parce qu'il a dit, il t'a donné beaucoup de miracles, beaucoup de puissance, mais ça va rien faire à Pharaon. Il a dit avec lui, donc quand il est arrivé sur le terrain, quand il a créé une mouche, pendant que vous n'êtes pas parti, le peuple qui est là est découragé, mais moi il ne peut pas être découragé. Si ta mère, celui qui te conduit là, c'est lui une voix claire pour toi. Faut fermer tes yeux. C'est comme si tu es bête. Si ta mère, tu es là déjà averti de ce qui va arriver. Quand il changeait l'eau en sang, et puis ça a révélé encore Pharaon pour multiplier le travail sur eux. Le peuple s'est révélé, mais Moïse avait déjà été averti. Il va faire beaucoup de signes. Pharaon n'a pas les laisser, mais il fallait qu'il va le faire. Si jamais, mais il y avait quelque chose que Dieu lui a donné. Amen. Quand David a croisé Goliath, il a vu Goliath. Il sait qu'il va tuer Goliath. Dieu l'a révélé qu'il va tuer Goliath. Il ne s'est pas levé comme ça pour aller affronter Goliath. Quand il partait avec du pain à les gâteaux, chez ses frères là-bas, il savait que Dieu lui a dit qu'il va faire quelque chose. Il partait sur un terrain et il va faire Goliath. Parce qu'il y a une option sur lui pour être au roi. Quand il n'a pas vécu Goliath, il ne peut pas être au roi. Quelqu'un ne peut pas l'empêcher à faire ton Goliath. Tu es trop orgueilleux. Tu me considères orgueilleux, ce n'est pas mon problème. Je dois faire pour le dernier ennemi. Dis ta main. Amen. Quand tu te considères orgueilleux, ça, ce n'est pas un problème. Tu dois atteindre ton but. Quand il est arrivé sur le terrain, quand il veut parler, ses frères, il faut te calmer. Et ça ne peut pas te dire de te calmer. Si Dieu t'a dit de faire, tu ne peux pas écouter quelqu'un. Hein? Au temps de Jérémie, il y avait un roi. Dieu avait prophétisé que Nebuchadnezzar, Babylone, allait venir prendre leur pays. C'est Jérémie même qui a prophétisé tout ça. Le moment était arrivé. Ils ont appelé Jérémie. Jérémie était en prison. Ils l'ont appelé. Il fallait voir le roi. Il dit, la chose est imminente. C'est quelqu'un qui a parlé là, ça va arriver. Mais je dois faire quoi? Le roi demande à Jérémie, il doit faire quoi? Jérémie dit, faut te rendre au roi de Nebuchadnezzar. Rends-toi. Si tu te rends, tu auras la vie sauve, ta famille sera sauvée, la vie ne sera pas détruite. Mais si tu ne te rends pas, ils vont tuer tous tes proches. Et puis ils vont brûler la ville. Le roi a dit, je crois ce que tu as dit là. Mais à cause des gens qui sont dehors là, si ils veulent suivre ça, c'est pas bon. Dites amen. Amen. Mais les gens qui sont au dehors là, c'est les gens de la loi. Quand ils quittaient Israël, quand ils quittaient l'Égypte, Dieu leur a dit que toutes les nations les vont assujettir. Ils ne vont pas dominer les nations. Dans la loi, il n'est jamais dit qu'il faut se rendre à ton adversaire. Jamais. Tu t'amènes. C'est ce milliard ton Dieu que tu as. Tu vas aller te rendre à un Dieu, même Dieu babylonien. On ne va pas faire la guerre. On a l'éternel Dieu. On va les affronter. C'est ce qu'ils pensaient. Mais le roi a écouté un messager. Le messager disait quelque chose de contraire à ce qu'ils avaient lu. Mais le roi dit, ne peut pas suivre à cause des gens. C'est juste. Donc, ils ont remis Jérémie en prison. Il y a beaucoup de choses que les gens veulent faire.
mais à cause des gens qui ne sont pas. Je veux changer de vie, mais à cause de quelqu'un, à cause de beaucoup de gens, tu es maintenu dans la même vie-là. Tu ne changeras jamais à cause des gens. Même quand Dieu même descend, il dit faut changer de vie à cause des gens. Tu ne changeras pas. Ils ont remis Jérémie en prison. Quand ils ont remis Jérémie en prison, le moment était arrivé. Ils ont attaqué Jérusalem. Ils ont pris le roi. Ils ont égorgé ses enfants, tous les membres. Ils ont coupé leur tête. Lui-même, ils ont crevé ses yeux. Puis ils l'ont envoyé à Babylone. Tuer tout ce qu'il avait. Et puis ils ont brûlé la ville. Amen. C'est ce qui va arriver. Quand tu vois trop clair, c'est ce qui va arriver. Quand tu ne peux plus écouter Dieu aujourd'hui, c'est ce qui va arriver. Quand Dieu t'a déjà parlé hier, tu l'as assis dessus. Mais Dieu va te parler encore aujourd'hui. Tu ne peux plus écouter, c'est ce qui va arriver. Si je suis Jésus, oh, les gens ne vont pas vouloir que je suis Jésus. Si je le suis, les gens vont me détester. Ils vont me chasser. C'est ce qui va arriver. Les gens n'ont pas suivi vraiment. C'est ce qui les va arriver. À cause des bouts des gens. Les gens ne vont pas s'identifier à ce qui se fait aujourd'hui ici. À cause des bouts des gens. Et les gens m'ont dit que mais tu es devenu. Pour nous, ils sont petits. À cause de tous les gens. Si on lui-même, il sait qu'il est petit. Mais les gens ne doivent pas le voir qu'il est devenu petit de ce ministère. Il ne peut jamais accepter. Il reste dans son orgueil. Et quand il reste, il demeure comme ça. Finalement, ce qui ne doit pas arriver, ça va arriver. Dites Amen. Il a envoyé ses ministères. Il dit de monter au ciel. Et quand monter au ciel, il a envoyé des ministères. C'était pour combattre Satan. Et les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs. C'est l'âme de Dieu pour vaincre l'ennemi. Comme quand il avait donné à Moïse, je t'ai donné beaucoup d'âmes pour aller devant Pharaon. Mais quand il allait devant Pharaon, tous les hommes étaient inefficaces. C'est Dieu lui-même qui a donné les âmes, mais les âmes étaient inefficaces. Dites Amen. Alors quand Dieu envoie ses ministères, il y avait un ministère dedans qui était représenté en Jean. L'apôtre Jean. Hein? L'apôtre Jean, c'est un évangéliste. C'est un évangéliste. Et c'était lui, Jésus aimait. Mais vous savez avec moi que Jésus n'est pas charnel. Il ne peut pas t'aimer ta physionomie. Il t'aime par le don qui est en toi. Et le don qui était en Jean, c'était un don de prophète comme lui-même Jésus. Dites Amen. C'est pour cela que quand Jean a commencé à écrire, il est parti au commencement du monde. Hein? Il est parti comme Moïse. Jean avait une notion spéciale. Alors Dieu devrait aimer le don évangéliste. Parce que c'est le don de l'aigle. Or le prophète aussi a don de l'aigle. Donc c'est les gens qui volent là-haut pour aller dans l'éternité, pour envoyer la parole. Donc c'était ça que Jésus aimait. Il voyait les pierres, il voyait les apôtres, il voyait tous. Mais il ne pouvait pas les aimer comme il aimait le don évangéliste. Dites Amen. Parce que c'est un don spécial. Un don qui est dans la main de Dieu. Il va faire un travail que les autres cailloux ne peuvent pas faire. Amen. Quand David était parti devant Goliath, il est parti dans l'eau. Il est parti ramasser 5 pierres. Et on va changer. Mais ça sera juste. Les 5 pierres, tout le monde dit que c'est le don de Jésus. Mais les saints pierres représentent les saints ministères. Les saints ministères éphésiens. Que Dieu a envoyé pour détruire Satan. Et détruire la mort. Pour détruire Goliath. Ce sont les saints ministères que Dieu a envoyé. Dieu qui menaçait. Il a les saints ministères. Détruisez Satan. Détruisez le dernier ennemi. Dites Amen.
suffit pour tuer ton ennemi le plus coriace, qui est la mort. Dis ta main. Hein? Moïse est parti. On dit triple. Donc il est parti un petit caillou. Toute révélation. Chaque fois Dieu lui donne un caillou. Voyez ce qu'il va faire. Il s'en a fait. Ça échoue. Jusqu'à un moment, Dieu dit, tu vas tuer les premiers nés de l'Égypte. Or, les premiers nés de l'Égypte, c'est pas maintenant que Dieu disait ça. Quand il était encore chez ses parents, qu'il n'est même pas encore venu en Égypte, Dieu l'avait dit que je vais tuer les premiers nés d'Égypte. C'est ce caillou qui va vous libérer. Donc quand il quittait, oh, Dieu a mis ça derrière. Dieu a déjà dit, voici ce qui va bombarder Goliath, va bombarder Pharaon. Et il a commencé par beaucoup de signes. Tu as beaucoup de choses dans ta main. Il y a des gens qui ont beaucoup de travaux. Dès ce même matin, il va. C'est des hommes d'affaires, à Capao. Tu fais combien de boulot? Le frère, tu as combien de boulot? Soyez des hommes d'affaires. Où ta main tient ici, ta main tient ici, ta main tient ici. Amen. Mais tu connais celui qui est dedans qui va t'aider. Les autres sont là pour effrayer Satan. Les autres sont là pour effrayer les démons. Les autres sont là pour éteindre les petits feux. Quand tu as problème de manger, non, lui est là pour gérer ça. Mais les gros problèmes comme payer maison, payer courant, les gros trucs, tu sais lui qui moyen ça. Tu attends un gros jeton. Et ce gros jeton, tu sais où ça quitte. Ça n'est pas par miracle. Vous ne l'avez vu par miracle. Miracle, c'est rare. On appelle ça miracle. C'est rare. Avant que ça va arriver là, comme tu dis, ce qu'il est d'abord. Amen. 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 Donc, pour être gros, on ne peut pas vivre par miracle. Donc il a donné beaucoup de cailloux. Mais quand il est arrivé, il y avait un caillou prophétique. Dieu lui a dit, je vais tuer le premier né. Mais je vais dire à Pharaon, faut laisser mon peuple d'Israël. Je hais mon premier né. Comment Israël est le premier né de Dieu? Et les frères sont dans la semaine là. Dans l'histoire, c'est comme on était à l'église ici. Et puis, il y a une voix qui m'a dit, prépare l'église pendant 7 jours. Après 7 jours, quelque chose va arriver. Non, c'est pas comme ça qu'il a dit. Il dit, il y a quelque chose qui arrive. Donc, prépare l'église. Mais il y a quelque chose qui vient. Ce n'est pas conditionné par la préparation. La version qui est de l'église, c'est comme si c'est la préparation qui a fait une question. Non. Il a dit, il y a quelque chose qui vient. Donc, prépare l'église pendant 7 jours. Parce qu'il y a quelque chose qui vient. Et quand la voix me disait ça, c'est comme si dans l'église, il y avait déjà le chiffre 7. Et ce chiffre 7, là, quand je suis réveillé, c'est un peu flou. Donc, l'image floue qui est restée dans ma tête, là, c'est ça, il m'a dit. Elle fait que l'image floue là est vraie. Et puis si je ne dis pas, oh pourtant c'est vrai. Et que le chiffre 7 était déjà dans l'église. Et que c'est comme si on avait une interprète. Quand on prêche, il y a une femme, il y a une soeur qui répète ça. Cette soeur là, elle avait, j'ai présenté ça comme puissance 7. Elle avait ce qu'elle faisait là, 7. Est-ce que vous comprenez le langage? C'est-à-dire que dans l'église, quand on prêche, il y a une femme qui répète ça. La femme qui répète là, c'est comme si elle avait le don qu'elle lui faisait de répéter ça là. Elle avait une puissance 7. Amen. Elle avait quelque chose 7 en elle. Amen. Et ce 7 là, c'était comme si c'était le 7 de l'église. Amen. Donc quand Dieu disait, en leçon qu'il disait, prépare l'église 7 jours, parce que quelque chose arrive. Dans le son,
j'ai vu qu'on a deux sets. Il dit, mais il y a déjà sept dans l'église et il y a un autre set encore qu'on doit faire. C'est comme ça que je me suis réveillé. Amen. Alors, il y a quelque chose qui doit forcément arriver. Mais l'église doit être apprêtée jusqu'à sept fois. Ça fait sept jours, on ne sait pas de quoi il s'agit. Ça peut faire mois, ça peut faire un, ça, mais peut-être que ça doit être dans cette année 2023. Cette année 2023, c'est une année des années. Amen. 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 Alors, Moïse, Dieu dit que le premier né de l'Égypte là, s'il est vu de telle partie, mon peuple qui est premier né, mon premier né, je vais tuer le premier né de l'Égypte. Donc c'est une affaire de premier né. Le caillou qui doit vaincre l'ennemi, ce n'est pas affaire de tuer, hein? Il a fait le miracle, hein? Le miracle pas possible. Il a rendu le point noir, un autre clair. Il a changé toute la rivière en sang. Il a créé les mouches, les écureuils, tout. Il a tout créé. Beaucoup de choses. Mais ça ne faisait rien. Mais c'était une affaire de premier né. Dieu dit, j'ai mon premier né. Faut les laisser, ils vont aller m'accorder. Si tu ne les laisses pas, toi tes premiers nés là, je vais tuer. Amen. Donc c'est entre le premier né de Dieu et le premier né de Satan. Hein? Amen. Donc là, c'était une affaire de la mort. Hein? Dieu qui lançait la mort. Mais cette mort était distinguée par le premier né. Mais regardez un peu. L'Égypte, les enfants d'Israël qui étaient dans l'Égypte, il y avait les enfants, il y avait les femmes, Corée, Dantan, tout ça était dedans. Dieu les appelait mon premier-né. Il y avait des rebelles, il y avait des gens qui allaient mourir dans le désert à cause des rébellions. Dieu allait diviser la terre, ils allaient rentrer dedans pour aller directement en enfer. Sans passer par la mort. Mais tu les appelais mon premier-né. Mais pourquoi il a voulu les appeler mon premier-né? Il y avait un Moïse dedans. Le Moïse était le garant de tout le peuple. Moïse était le premier-né de Dieu. Ça faisait que tous les enfants d'Israël étaient le premier-né de Dieu. Quelle que soit la foi, quelle que soit leur incrédule. L'adoption de Moïse était l'adoption de tout le peuple d'Israël. Dis ta mère, tu n'as pas besoin d'adoption par adoption. Tu as besoin d'adoption de Moïse. Quand Dieu te voit, il dit que c'est l'église en premier-né. Il y a les enfants dedans, il y a les femmes dedans, il y a les rétrogrades qui veulent un peu. Mais Dieu dit, c'est mon premier-né. Dis ta mère, et je dois livrer mon premier-né en combat avec le premier-né de Satan. Et c'est la mort qui m'a fait la différence. Amen. Jésus dit, quand Pierre a demandé à Jésus, lui qui vient là, comment il va mourir? Et Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure, jusqu'à ce que je vienne, il y a pour toi quoi dedans? Toi, suis-moi. C'est l'individualisme. Si ton frère arrive éternellement, s'il va mourir dans 2 jours, ça fait quoi pour toi? Toi, pour toi, tu connais, suis-moi. Mais quand Jésus a dit à Jean, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Cette parole-là, c'est resté. Et c'est cette parole-là qui va finir la fin des temps. Jean a marqué l'histoire de la Bible par sa vie. C'est lui qui a vu le retour du Seigneur.
par vision. Mais Dieu avait promis que si je veux qu'il vienne, que mon retour là, je fasse de son divin. Ça ne gêne pas quelqu'un. Alors il a monté de façon spirituelle. Dites amen. Tu sais, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que Branham n'a rien fait. Que Branham n'a pas brisé son. Que la Bible dit l'agneau était assis sur le trône. Il a brisé le diable et son. Et quand il descendait, le livre était ouvert. Et puis il donne à Branham. Donc les choses sont déjà brisées. Et puis on donne à Branham. Donc Branham n'a pas brisé ça. Et puis ces gens de parole, si tu n'as pas la révélation, c'est juste. Il ne faut pas croire les vieux prophètes. Amen. Il faut croire l'inspiration. Amen. Ça, quelqu'un ne peut pas s'en sortir avec la lettre. Que la fille te dit ça, je lui ai dit ok. Jésus lui-même, la Bible dit, l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Cette immolation n'a fait quoi pour nous? C'est nul et sans avenir. Tant que ce n'est pas fait dans la chair, c'est nul et sans avenir. Le sou que l'agneau a brisé au ciel là-bas, ça n'a rien à voir à nous. C'est nul pour nous. Tant que ce n'est pas descendu dans la main de Branham, pour qu'il va reprendre la chose physiquement, comme Jésus a fait la chose physiquement par la mort là-bas pour nous, c'est nul et sans avenir. Voilà pourquoi il est nécessaire qu'un qui va s'asseoir encore sur le trône pour briser les choses un à un, comme ça a été fait au ciel. Quelqu'un qui est en vision. Amen. Hein? Branham, il a vu vision des sept anges. Ils sont venus. Ça ne fait pas pour nous. La vision ne fait rien. Il a déjà vu ça. Mais il fallait que les anges viennent physiquement. Et que photographiquement, on le photographie. Et que la chose se manifeste dans notre vie de façon pratique. Pour que ça ait une bénédiction sur l'église. Tant que ça est en vision, c'est zéro. Hein? Tu as rêvé, tu as eu l'argent. Fanny marche. Hein? Tu as rêvé, tu as eu l'argent. Tu t'es rêvé le matin, l'argent n'a pas fait quoi? Hein? Le frère Dapao, il a rêvé une fois, il avait un monsieur qui l'a appelé. Le monsieur lui a donné or. Un sac rempli d'or. Mais il s'est réveillé, il était le plus moisi de la terre. Disons que quand tu es sauvé, quand j'ai parti dans l'île du Patmos pour aller voir la vision du retour du Seigneur, ça c'est zéro. Ce que Jésus a dit doit arriver en pratique, de façon physique. Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, et tout le monde dit, c'est ça qui s'accomplit, quand un puissant descendait dans sa vision, il t'amène s'asseoir, voir la pratique sur la terre, ou de façon physique, quelqu'un va rester là, étant sous l'onction de l'évangéliste, comme identifié à Jean, et puis le Seigneur descend, et puis tout ce ministère, et puis il dit, je crois que j'ai dit, je vais demeurer jusqu'à ce que je viens, on va partir ensemble. C'est amen. Un caillou spécial qui mouille Satan. Oui. Oh, mais il est peigné. Hein? Donc la mort va passer. Cette nuit-là, si je passe chez toi, si je vois le sang, je ne touche pas. Donc le fait d'être peigné, Dieu ne suffit pas. C'est pour ça qu'il y a eu des premiers-nés de Dieu. C'est Israël. Et des premiers-nés de Dieu. Ce n'est pas l'Église qui va faire premier-nés de Dieu. Amen. Mais la mort frappe. Or, la mort doit distinguer
les premiers nés de Satan et les premiers nés de Dieu. Amen. Parce que chez Satan là-bas, Satan c'est premier né. Mais eux tous ils doivent mourir. Amen, amen. Hein? Les artistes ils sont adoptés. Ils sont adoptés. L'adoption, c'est quand ce n'est plus toi-même qui vis. Mais c'est le surnaturel qui vit en toi. Il y avait une chante américaine. Elle dit qu'elle vient à la chair. Là. Elle dit à la chair. Elle vient. C'est son problème. Si elle chante, elle chante. Hein. Elle dit tant que son démon là n'est pas là, c'est zéro. Elle dit arrivé un temps, ce n'est plus elle. Amen. Elle dit le nom du démon, elle dit c'est lui maintenant. Et là maintenant tu vois l'atmosphère change. Amen. Elle est adoptée. Amen. Elle et puis le démon font une seule chair. Amen. Donc elle sait que chaque fois qu'elle doit donner la scène, le démon doit venir, c'est un contrat. Et les artistes que vous voyez là, ils sont adoptés. Les grands artistes sont adoptés. Les grands politiciens sont adoptés. Parce que quel que soit le problème, quand il vient, c'est résolu. Parce qu'il va commencer à parler, ce n'est pas lui qui parle. C'est Satan qui parle en lui. Vous pensez que c'est Dieu seulement qui adopte? Satan fait tout ce que Dieu fait. Hein, y a quelqu'un qui disait que le retour du Seigneur, c'est un corps d'emprunt. Parce que Benham a dit, il vient emprunter mon corps. Hein? Donc ils prennent tout ça pour se bloquer, pour dire que Dieu n'est pas encore venu. Parce qu'il a emprunté un corps. Le Jésus va venir, mais il ne va pas emprunter corps. Au temps de Jésus, il n'a pas emprunté corps. C'est lui-même son corps, il est venu dedans. C'est comme quelqu'un qui loue maison. Hein, nous tous sommes loués maison ici là. C'est associé seul qui est dans sa propre demeure. Donc, il est adopté. Lui et sa maison sont un. Mais nous tous, on est des tuteurs. Hein? Tu es dans la maison, si tu ne payes pas deux fois, trois pas paix. Tu quittes là. Hein, le Seigneur, il est chez toi. Il te parle, il te parle. Il fait les rapports au Père. Si ça ne va pas, il ne t'adopte jamais. Donc l'adoption est que celui qui est dans toi, arrivé un moment, c'est le propriétaire de l'homme qui est là. Amen. Donc une fois, sa femme est rentrée dans la chambre pour aller le voir. Elle a vu deux Branham. Au lieu de un, elle a vu deux Branham. Les deux chez les hommes, les deux ont porté même avis. Elle sait plus qui est vrai, qui est faux. Bon, lui que tu as vu là, s'il est dans le corps là, toi tu es dans un corps d'emprunt. Il n'est pas dans un corps d'emprunt. Il est dans son, dans sa demeure. Amen. L'un du Seigneur qui sortait dans la colonne de feu, il ne ressemblait pas à Jésus. Il ne ressemblait pas à Branham. Car il avait un teint marron. Un teint foncé. Il était corpulent. Cet ange-là, vous savez où il est quitté? Yeah. Mais c'est un noir qui a donné le Saint-Esprit à Branham. Amen. Donc le Saint-Esprit va le suivre là. Ça veut dire quoi? Amen. C'est un noir qui l'a imposé les mains. Toi, tu ne peux pas être différent de ta théophanie. Tu n'as dit que moi, le jour que j'ai quitté la terre, je serai blanc. Toi, tu as me voir blanc. Tu ne peux pas me voir blanc. Mon ange, que le Saint-Esprit sera marron. Mais comme il sera à toi, parce qu'il est venu chez toi, seulement il t'a imposé les mains, toi, sur le Saint-Esprit. Hein? C'est pour ça, on a notre premier mariage ici dans l'église. Le 12 mars. Je ne peux pas laisser quelqu'un bénir ce mariage. C'est le Père qui bénit ses enfants. Amen.
Là, il y a effet. Je te promets de Dieu, un papa n'a qu'à te bénir, c'est nul le sang à venir. Tu cherches bénédiction de ton papa. Les gens font le mariage, on dirait que c'est association. À moins que c'est ton grand-père qui vient. Comme au temps de Joseph. Joseph était là et puis il a dit à son grand-père, bénis mes enfants. Bah, il sait que l'onction qu'il a est quittée chez lui. Alors, même que je dis, pasteur Paul, on a dit qu'à Paul, viens bénir ça. Mais au cas contraire, je ne peux pas appeler un ministère quelque part venir bénir un mariage. Ça sera quelle bénédiction? Dites amen. Amen. Par contre, on donne quelque chose, c'est un caractère, on donne. Alors, quand lui-même, il a été pire, tu as imposé les mains. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais c'est quelqu'un qui t'a donné. Mais ce n'est pas encore pour toi. C'est un Saint-Esprit tuteur. Donc il est chez toi, tu as un corps d'emprunt. Parce que son corps même n'est plus sur la terre. Mais il va te faire un petit. Il te fait un tuteur. Jusqu'à ce que. Mais il fait un rapport à ta théophanie. Son objectif est que ta théophanie et toi deviennent un. Amen, amen. En ce moment, on ne parle plus de corps d'empereur. Tu t'amènes. Alors, depuis que Jésus a quitté la terre, depuis que Jésus était sur la terre, puis dit, moi et mon Père, amen. Nous sommes un. Depuis ce temps-là, il n'y a pas eu quelqu'un sur la terre qui peut dire ça. Amen. Mais arrivé un temps, Branham, quand tu vois lui et son Père, ils sont un. Parce qu'il demeurait en lui. Et les deux se ressemblaient. Se transformaient à son image. Dites amen. Alors là, on ne parle plus de corps d'emprunt. Après, il va arriver un temps. Les théophanies vont vous apparaître. Amen. Comme nous, on a vu ici. Amen. Que ça va vous apparaître, ça va apparaître. Amen. On n'a pas les mêmes bénéfices. Tu sais, le bénéfice des vieilles formes, tu auras bénéfice des vieilles formes. Nous, on peut bénéficier de la théophanie. Amen. Hein? Amen. Tu as un mystère, c'est Ange Gabriel seulement qui vient. Amen. Comment tu vas être avec Ange Gabriel? Il n'a qu'à venir mille fois. Tu dis des vieilles formes. Peut-être même que c'est la confirmation que tu es vieille forme. Hein? Parce qu'à Sodome et Gomorrhe, c'est Gabriel et Michael qui sont partis. L'un du Seigneur, la compagnie lui-même. Il dit, je ne fais pas là-bas. Je ne mangerai pas là-bas. Alors il te faut un ange. Il va être avec toi. Identifier à ton famille. Et puis il commence à causer avec toi. Arrivé un moment, il dit, celui-ci est arrivé. Vous pouvez devenir un. On ne met pas les pieds du roi dans la main de n'importe qui. Hein? Un enfant qui n'a pas encore arrivé à maturité, tu lui donnes des pieds. Hein? Pourquoi on ne donne pas âme aux enfants? Il dit de se faire du mal eux-mêmes. Et puis peut-être même aller tuer ses parents. On voit ça en Amérique. Dieu va te donner son épée. Tes tutis et puis toi tu n'as pas pour te tourner contre lui. Il n'avait pas donné à Satan. Satan est tourné contre lui. Alors il attend ta maturité. Quand tu es mature, il sait que tu as l'intelligence. Il peut mettre son âme le plus puissant dans ta main. Et puis il doit te tuer. Il sait que tu n'as pas pour le protéger au lieu de venir contre lui avec. C'est ça l'adoption. Le premier-né. On ne sait pas une adoption extraordinaire. Vous êtes ici une église de premier-né. Parce que vous manifestez un ministère qui s'impose sur le monde entier. Quand Dieu avait un peuple sur la terre, en dehors de ce peuple, il n'avait pas un autre peuple. Il dit, c'est mon premier-né. Mais je veux faire des choses. La mort va passer. S'il trouve mon premier-né, il n'y a pas le sang sur sa porte, il sera tué. Le premier-né d'Israël. Maintenant, il va aller sur le côté de l'Égypte. Tous les premiers-nés de là-bas, ils vont tous les tuer. Ça veut dire que c'est une affaire de premier-né, de fils adopté. Il faut arriver à un niveau où Dieu peut te voir
il peut dire cette fois-ci, ce que j'ai fait avec Moïse, je vais le répéter cette fois-ci. Tu n'es plus un premier-né physique. Vous avez un peuple physique, mais c'est un peuple spirituel, un peuple spirituel. Alors si la mort passe, si je ne vois pas un fils adopté, ce n'est pas mon premier-né. Dieu protège les premiers-nés. Parce que c'est un combat entre les premiers-nés. Donc tous les premiers-nés de Satan vont mourir. Les artistes chanteurs, les politiciens, les grands marabouts, les grands pétichers, ils doivent mourir. Et les premiers-nés de Dieu aussi, eux aussi, ils mourraient aussi. Mais le dernier combat, Dieu livre son premier-né en combat. Il dit, je vais les livrer comme sacrifice. Parce que la mort va venir, la mort ne va pas distinguer. Ni cher seulement que les premiers-nés. Mais ce qui va faire que je vais éviter la mort, chez moi, mes premiers-nés, c'est le sang que je verrai et je passerai. Si le sang n'est pas trouvé chez toi, même si tu es un premier-né, tu vas mourir. Branham était un premier-né, mais il est mort. Je veux qu'on était un premier-né, mais il est mort. Pourquoi? Et d'abord, le temps n'était pas encore arrivé. Le temps où Dieu devait protéger les premiers-nés d'un temps donné n'était pas encore arrivé. Ça veut dire que dans le temps passé, les enfants d'Israël perdaient leurs premiers-nés aussi. Comme les enfants d'Israël perdaient d'Égypte, perdaient aussi leurs premiers-nés. Mais dans ce temps donné de cette nuit-là, c'est un premier-né de l'autre côté et ce premier-né d'ici ne meurt pas. Alors, depuis Branham, le premier-né ne devait pas mourir, mais quand même, il mourait. Mais Dieu recherche quelque chose. Dieu dit qu'il veut le sang sur la porte. Mais Branham a vécu avec le sang sur la porte. Mais le sang doit être totalement complet. Hein? Le sang doit être totalement complet. Parce qu'il y a des passages dans la Bible que Branham a laissé comme ça s'interpréter. Hein? Je vous donne un petit exemple. Pour aller en Israël, Branham a dit qu'il y aura deux personnes, Élie et Moïse, qui vont aller en Israël. Or, quand tu lis Apocalypse, Apocalypse est un livre de symboles. C'est lui-même qui nous a dit ça. Et c'est Apocalypse qui dit des deux témoins. Donc aujourd'hui, si tu restes sur ça, pour dire qu'il doit y avoir deux hommes, il y a un qui est Élie, il y a un qui est Moïse, qui vont être en Israël pour œuvrer, qui est sur la lèvre d'un livre le plus symbolique au monde qui est Apocalypse. Mais là, tu es en danger. Branham a répété ça, il n'a pas interprété. Alors, si je te dis le message, Branham a dit quelque part que quand Élie n'est pas mort, il doit revenir pour mourir. Qui aime pas une citation comme ça? Élie n'est pas mort. Donc, quand tout le monde doit mourir, alors Dieu va le faire revenir. Et c'est lui qui sera en Israël et il va connaître la mort. Il a dit ça, moi je suis blanc et les gens croient ça littéralement. Or, Branham a dit dans d'autres citations que c'est l'esprit d'Élie, mais ce n'est pas Élie physique qui a vécu en Israël. Dites amen. Voilà pourquoi, si le sang n'est pas total, le sang qui se met sur la porte, sur le sang d'un animal, et tu manges. Tu manges toi-même et tu prends son sang, tu mets sur la porte. Mais si tu as mis un sang qui n'est pas le sang que tu dois t'as mangé, ça ne travaille pas. C'est pour cela dans cette église, nous mangeons le sang que nous tuons ici. Et nous mangeons le sang que tu as tué ailleurs. Mais dans notre époque. Amen. Parce que Dieu a dit dans la parole, je vais terminer les choses fatiguées. Dieu a dit dans la parole,
Si la maison qui est en train de manger cette nourriture-là, ce mouton tué, n'est pas assez pour finir le mouton, alors deux familles peuvent manger. Amen. 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 Trois familles, mais il y a plus les temps de deux familles. Amen. Peuvent s'associer pour manger un mouton. Amen. Donc ça veut dire qu'une église peut détenir quelque chose qu'une autre église peut profiter. Amen. Quand l'apôtre Paul, quand il était arrivé, il était l'apôtre de tous les pauvres. Et son sang était appliqué partout. Mais il devait mourir parce qu'il ne vivait pas dans les forts où Dieu a donné cette parole-là. Mais premier-né contre les premiers-nés de l'Égypte. Et il ne vivait pas dans les forts où tout doit devenir clair, limpide devant tout le monde. En ce temps de la fin, Dieu trouve tout. Il donne tout le sang. Alors maintenant, il dit, mon premier-né, je le livre comme le dernier combat. Mais ça doit être un ministère. Et ce ministère, tout le monde est évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste, même si tu n'es pas un évangéliste. Parce que tout le monde est évangéliste. Moi, je te dis de vous. Si tu es premier-né, Dieu dit, je vais tuer les enfants des autres, mais toi, je ne vais pas te tuer. Amen. La mort va frapper cette fois-ci, mais toi, ça ne va pas te frapper. Le dernier caillou, c'est la mort. Le dernier caillou, c'est de vaincre la mort. Le sang qui venait sur la porte, c'était un sang identifié à la mort. C'était un sang spécial. Amen. Si on reçoit un sang aujourd'hui, ce sang est identifié à quoi? Son combat, c'est pour quoi? L'homme du Seigneur qui vient en ce temps de la fin, c'est pour quoi? Le sang qui est descendu au temps des Abraham, c'était pas pour combattre la mort. Ça a combattu les adversaires, mais ça n'a pas combattu la mort. Mais le sang qui descend en ce dernier temps, qu'est-ce qui est écrit dans ce sang? Ce sang-là parle quoi? Je sens la crie quoi? Je sens la interprète en quoi? Le sang qui était descendu en son temps, ça a démoli tous les démons dans la chair. Ça a crié vengeance sur l'église catholique. Il a démontré qui était l'église catholique. Le retour du Seigneur, c'était pour prendre domination sur l'ennemi. Mais ce sang-là, il va vaincre la mort aujourd'hui. Pour vaincre la mort, il faut quelque chose qui naît sous cette alliance. Le retour du Seigneur était marqué par une vengeance sur l'ennemi. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une vengeance sur l'ennemi. C'est une vengeance sur un autre ennemi qu'on appelle la mort. Alors ce sang en train de parler. Ce sang est en train d'interpréter. Et c'est ce que Dieu écoute. Et la mort va passer. C'est pour cela que je vais poser la question du même passé. Ceux qui ne croient pas comme nous, ils ne seront pas enlevés. Le sang qui ressemble à ça crie quoi? Le sang ne peut pas les protéger de la mort, ça parle quoi? Le sang de Jésus parlait mieux que pour Abel. Le sang de Branham parlait mieux que pour Jésus. Le sang d'aujourd'hui doit parler mieux que pour Branham. Une plus grande compréhension de la parole. Comment on ne doit pas mourir, les détails de comment on ne doit pas mourir. Quand tout ça peut être des sens, c'est un sang spécialisé. Un sang qui parle pour toi. Quand Dieu voit ce sang, il dit, tu es mon premier-né. Je vais garder la vie à tous mes premiers-nés. Je t'ai adopté, tu es mon premier-né. Tu as un pacte signé avec Dieu, tu es mon premier-né. On signe des pactes.
Satan signe de pacte avec ses enfants. Nous on signe pacte avec Dieu. Et quand tu as signé pacte avec Dieu, Dieu te suit en toutes choses. Mais le pacte commence par le baptême d'eau. Si quelqu'un n'a pas encore pris le baptême d'eau, doit le faire. Le pacte, ça commence par le baptême d'eau. Tu es entré dans un terrain où tu dis à partir de maintenant, Dieu, je t'appartiens. Mais tu dois grandir dans ce terrain. Tu dois grandir dans cet espace. Jusqu'à arriver un moment, il y a un autre pacte qui vient. Une autre mission que Dieu te donne. Une autre promesse que Dieu te donne. Et c'est un pacte entre vous. Moi, j'ai parti avec un pacte. Pharaon ne pouvait rien le faire. Josué est parti avec un pacte. L'ennemi ne pouvait rien le faire. Il ne devait même pas mourir en guerre. Nous devons être sous un autre pacte. Pacte de l'adversaire. Le plus coriace que jamais l'église a vécu. Mais le sang que tu reçois, il crie quoi? Il crie guérison divine. C'est un petit pacte. C'est un pacte pour les baptêmes d'eau. La personne n'a même pas le Saint-Esprit, mais Dieu fait les miracles dans sa vie. Il va ressusciter les morts, mais n'a même pas le Saint-Esprit. Mais Dieu veut te donner un pacte plus élevé. Où tu ne peux pas vaincre la mort si Dieu n'est pas en toi. Tu ne peux pas aller à l'enlèvement si Dieu n'est pas avec toi. Dieu qui m'a donné une visite à la maison, c'est parce que tu es son ami. Regardez bien dans la maison des féticheurs, les démons défilent là-bas. Quelqu'un qui adore les statues, les démons défilent là-bas. Sa maison est la maison des démons. Le Dieu qui l'adore fait un avec sa maison. Alors si toi tu as pacte avec Dieu, Dieu va défiler chez toi à la maison. Amen, amen, amen. Chez toi sera la demeure de Dieu. Amen. Toi et Dieu, vous allez devenir un. Le sang d'aujourd'hui crie mieux que le sang au temps de Branham. Ce sang ne pouvait pas les protéger de l'immortalité. Ils étaient les premiers-nés, mais ils mouraient. Ce n'était pas un sang élargi. C'était un sang où Satan pouvait se réclamer encore dedans. Mais aujourd'hui, nous devons avoir un sang. Vous avez une promesse de sang. Un sang parfait. Où tout ce qui est tout ce qui est de l'ennemi quitte dans ce sang. Si Dieu t'a donné un sang plus supérieur, un sang qui parle plus, un sang qui ouvre plus, un sang qui t'aide plus. Tu vas dire à Dieu que je suis ton premier-né. Le premier-né en ce temps ne doit pas mourir. Parce que nous sommes dans la saison juste. Dans la bonne saison où tout ce qui est parfait ne doit pas mourir. Le parfait de Dieu ne doit pas mourir. Mais tu dois fermer tes yeux si tu vois trop clair. Tu ne pourras pas distinguer comme Dieu distingue. N'est pas la connaissance. Ne sait même pas lire. Tu
n'as pas tous les brochures. Tu n'as pas les 1100 sermons de Branham. Mais Branham dit, je connais l'auteur. Je marche avec l'auteur. Je vis avec l'auteur. Alors aujourd'hui, tu vis avec l'auteur. Tout ce qui te dit, tu dis amen. Un sang plus meilleur, un sang plus colasse, une âme qui est descendue depuis le 28 février, mais qui est maintenant en maturité, qui a atteint sa perfection, une âme parfaite, une âme sans tache ni ride. L'église avait les rites. Les rites doivent partir. La vieillesse doit partir. Les vieilles choses doivent partir. L'église avait les tâches. Les tâches doivent partir. Une église sans tâches ni rites. Ce n'est pas Branham qui fournit ça. Ce sont les Éphésiens qui fournissent ça. Les Éphésiens sont 5 cailloux. Il y a un seul caillou. C'est lui qui bombarde la mort. C'est lui qui voit le retour du Seigneur. Il reste vivant. Il voit le retour du Seigneur. Un ministère que Dieu a aimé, que tu dois aimer, que tu dois faire mieux, c'est l'évangéliste. Tu vois le mal dans la Bible. Tu vois le mal dans la vie. Pas dans la Bible. Tu vois le mal dans la vie. Tu cries dessus. Tu vois le mal se manifeste parmi les croyants. Tu cries dessus. C'est le ministère que Jésus aime. Lui-même, il a manifesté cela. Il a crié sur le mauvais comportement des pharisiens. Et même, il allait plus loin. Il a vu le mal même dans la loi. Et il a dit, ça, c'est pas Dieu. C'est Satan qui a prêché ici. Le ministère évangéliste, c'est lui qui voit le retour du Seigneur. Tout ce qui est faux, quitte la vraie église. Tout ce qui ne voit pas Dieu, quitte la vraie église. Un sang sans tache ni ride. Un sang qui crie plus que le sang que Branham a crié. Le sang de Dieu va de gloire en gloire. Le sang de Jésus a descendu la grâce. Tu as fait du mal, tu n'as pas fait du mal, Dieu te sauve. C'est la grâce. Ça crie mieux que le sang d'Abel, qui était la loi. Le sang de Branham a crié plus que pour Jésus. Parce que le sang de Branham a descendu le lit de la rédemption. Notre héritage qui était resté là-bas s'est redescendu dans notre main. C'est le présent du temps de la fin. Quand tu entres en contact avec ça, tu entres en contact avec le lit de la rédemption. Mais si tu viens dans la Bible, tu n'es pas en contact avec le lit de la rédemption. Parce qu'il y a un sang qui a crié, qui mieux que pour Jésus aujourd'hui. Et ce sang te redonne ton lit de la rédemption. Mais aujourd'hui, ce qu'on a déjà, c'est pas maintenant on va chercher. C'est déjà un acquis. Le lit de la rédemption est déjà descendu dans la main de l'église. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est l'immortalité. Qu'est-ce qu'on n'a pas? D'atteindre la perfection. De changer sa position de 6e dimension à la 7e dimension. Les derniers saints vont pas aller à la 6e dimension. Quand ils sont enlevés, directement à la 7e dimension,
voyez ce qu'ils auront reçu étant vivant à la capacité intérieure de le faire entrer dans la septième dimension. C'est le sang qui crie plus que le sang de Branham. Comme le sang de Branham a fait entrer les gens vraiment à la sixième dimension. Ils sont en train d'attendre qu'il y ait un sang qui crie plus fort sur la terre ici pour qu'ils vont quitter sa position-là. Mais qu'est-ce qui fait naître ça? C'est le message du temps de la fin. Ça va atteindre un niveau où ça va crier plus fort que le sang du départ. Alors que le sang que Branham a appliqué sur sa porte ne l'a pas délivré de la mort. La mort a frappé. Mais le sang que tu mets sur ta porte aujourd'hui doit pouvoir te délivrer de la mort. La mort va passer. Et identifier le cri qui crie dedans. Tu ne dois pas me toucher. Tu ne dois pas toucher mon premier-né. Une église de premier-né. Un coup de poignard de premier-né. Comment tu peux avoir un sang plus meilleur? C'est difficile à comprendre. Mais il faut la voir pour dire amen. Un sang plus meilleur que le sang qui était venu pour protéger les croyants du temps des banales. Ce sang était voilé. Ce sang était voilé aujourd'hui. Ce sang était fermé pour tous. Ce sang est ouvert pour tout le monde aujourd'hui. Ce ministère du temps de la fin aussi l'est aussi. Et la même foi que ceux qui étaient au temps de Branham avaient. Mais toi, ta foi d'aujourd'hui, tu ne pourras pas faire les miracles en décotiche. Ça va te faire vivre la mort. Jésus a entendu une vision visible. Ce qu'il s'est fait au ciel, il a fait ça physiquement. Il est mort à la croix physiquement. Que ça soit une bénédiction. Branham a rendu une promesse de vision physique. Où au ciel, nous avons brisé les sceaux. Mais sur la terre, il a rendu visible. Ce ministère du temps de la fin doit rendre une promesse visible. Quand je reviendrai, si je veux que je tienne le tout vivant, que t'importe. Ça, c'est concrétisé dans une vision. Mais ça va se concrétiser physiquement. Tu es parfait en toi. Mais comment tu peux le savoir? Il faut un sang qui crie plus fort. La mort passe. Il y a le genre de sang que tu as. Tu es un fils des cieux. Mais ça ne suit quel sang? Tu n'as pas un sang protecteur contre lui. Il peut te tuer. Et il te tue. Mais le sang que tu reçois de façon spéciale, ça crie à ta paix. C'est le sang de l'adoption qui est descendu depuis la Pentecôte. Mais aujourd'hui, il a trop crié à ta paix. Il est déjà ce qu'il doit être. Il est accordé au temps des Branham. Maintenant il crie. Je veux l'immortalité de mes 16 éléments. Le sang qui criait à papa. Oui, il était encore un bébé. Mais au temps des Branham, il crie lui-même père. Parce que lui-même il est le père. Il est mature. Quoi changer de regard? Dieu qui change de langage. Dieu son sang qui parle beaucoup plus lumière. Dieu son sang qui parle par rapport à l'adversaire présent. Dieu qui parle par rapport à la promesse qui se manifeste au temps présent.
sous quelque vêtement. Le sang de Paname, c'est dans les mêmes.